Ok, nous sommes dans les préparatifs de la prière. Et voici les membres de la mosquée. Ici, c'est notre fils qui va animer aujourd'hui. Salut. Ça sent sur le truc. Non, il faut essayer de voir. Allô? Allô? Oui, c'est allumé. Le volume, c'est où ça? Essaye d'augmenter le volume central, voir. Et essaye les échos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ouais, il y a un peu de tef. Nous sommes aujourd'hui à la fin du mois de carême et nous allons célébrer l'Aïd el-Fitr. L'Aïd el-Fitr marque la fin du mois de Ramadan. Le Ramadan est le troisième pilier de l'islam. Le mois de Ramadan est un mois sacré pour le musulman, un mois pendant lequel tous les musulmans doivent se priver de manger, de boire et de s'abstenir d'avoir des relations intimes avec sa femme pendant la journée. Mois pendant lequel le musulman doit prier beaucoup et le musulman doit pardonner et à la fin de ce même mois, le musulman doit fêter. Assalamu alaikum imam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok, aujourd'hui nous sommes le 13 mai 2021. Mm-hmm. Nous sommes à New York dans la mosquée Aqsa Salam, mm-hmm. la mosquée de la communauté africaine. Mm-hmm. Et surtout de la communauté venant principalement de la Côte d'Ivoire. Oui. Nous, aujourd'hui, marque la fin du mois de Ramadan. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est l'Aïd el-Fitr. C'est ça. Quel est ton message, votre message à l'endroit de tous les musulmans, principalement des États-Unis, ainsi qu'aux musulmans du monde entier? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Suma salatu wa salam ala Sayyidina wa Nabiina wa Mawlana Muhammad. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallim. Alors, tout d'abord, vraiment, je vous remercie. Alors, je remercie aussi la communauté musulmane en USA. Vous savez que présentement, alhamdulillah, on remercie le Seigneur. Vous voyez, en Afrique, il croit qu'on ne pratique pas l'islam ici comme il faut. Mais alhamdulillah, on remercie. Tu peux nous expliquer l'importance de la zakat après le mois de carême, le l'Aïd el-Fitr? Ok, alhamdulillah, et zakat le fitr, il y a plusieurs zakat. Il y a zakat le mal, il y a zakat le fitr, et puis il y a zakat simplement pour la mosquée. Okay. C'est-à-dire donation pour la mosquée. Mm-hmm. Mais zakat le fitr, présentement là, mm-hmm. nous sommes dans cette période, mm-hmm. il faut zakat le fitr. Quand tu ne donnes pas zakat le fitr, ton carême est suspendu. Quand tu payes zakat le fitr, après, avant la prière, et si tu payes après la prière, vraiment, ce n'est plus zakat le fitr. Okay. C'est sadaqa maintenant. Okay. Imam, oui? Vas-y. Imam, est-ce que c'est qu'il y a quatre droits qu'on a? Ah, ok. Et zakat le fitr, alors, c'est à noni zakat le fitr, c'est très important. Parce que, anya sumarodon, Aïma sera zakat le fitr le fait. Nika sundo, sungaro ta sunta dena sani sani le tche. Le sunka de sani du tche. Zakat le fitr mi boa, wele ta kata sun yere, kase alama. Inch'Allah, imam, zakat le fitr a quand ka di mo djen lima. Zakat le fitr ka ka di mo ma, alima mi tate, misri ni mo tate, mo si tate, mo min tae, wele de se bratori. Naka kinyonga adia wilema ta zakatuli inshallah uye ta zabo sani fenga ke inshallah note ate dia mosima fo de sebato la zakat el fitr est donnée avant la prière. Zakat el fitr est destinée aux pauvres, à ceux qui peuvent pas fêter, à ceux qui n'ont pas d'argent pour fêter, à ceux qui n'ont pas de quoi à manger. Donc la zakat el fitr est faite pour cela, pour qu'ils puissent avoir quelque chose pour se nourrir, pour qu'ils puissent nourrir leur famille et pour qu'ils puissent habiller leur famille. Zakat el-Fitr, ce n'est pas pour un ami proche. Zakat el-Fitr n'est pas pour un imam. Zakat el-Fitr est destiné à السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعيد مبارك وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله مبارك
Aywa mena do minge en do ke abadema bela jenie Afrique surtout Afrique West Africa alors naka dia alaye inshallah do du benamna do minga to aye albos alam bebe krema amina nanga bekrema ole kan nama bekrema kienne we albosa an demi suraya albosa ala baraka do yo alay besoma alay ke sobati alay ke anga memay note dinamo manu ya de albosa alay ke anga memay ay fa wi do yuna frani ay fa wi do kan Allah'ın yarabbi alemin, Allah'ın yarabbi alemin, Mâli
Let us pray for our brother in Bangladesh, in Mali, in Cote d'Ivoire, because all these countries, even Niger, they are target of what? Terrorism. Alhamdulillah, nobody don't mention nothing when the Muslims have been attacked. But if Harun or Saeed, even who is not Muslim, do something, they will come after Muslims. Why is that, brothers? Because it is us. We are separate, we are divided. Let us come together. Let us use this Ramadan as a lesson of unity. Because in the masjid, every masajid, you see Bengali, Arabs, Pakistanis, you see Sudanis, Yemen, etc., Africans, etc. But we don't implement this in our daily lives, only in Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with wisdom. Brothers, in closing, we have a sister here today with us. I want my sister Tahani Abushi to come forward. She's a Muslim like us, from Palestine, originally from Palestine, running for Manhattan DA. Look at this jama'ah. Look at this congregation.
If this congregation, this Jama'ah come together, wallahi, we can put her in this office for her to help us, because I know her. She's a great lawyer. Tahani, are you here? Please come forward. Sister Tahani Abush, if you're here, please come forward. Aqulu ma sami'tum wa astaghfiru laka wa lakum wa lisa'ir al-muslimin innahu sami'un mujibu da'wah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi allazina astafa. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma kun lahum wa la takun alayhim. Allahumma kun ma'hum wa la takun alayhim. Allahumma rabbana انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان واهدنا الى سبل السلام. انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Ala sijani kene adi ala jamana jana ala ina ya safrila ala bunabato kene ya ala deni balala ila mosilama. Nous en souhaitons pour souhaiter nos vœux la meilleure à toute la population ivoirienne, à tous ceux qui sont aux États-Unis, à tous les musulmans du monde entier. Ala zanjaya ala deni na mosilama. Shi gabo bana juguni ntoro ma ala ko ke ka daki sago ya ala ko ke antum kon kono fil la sungalo la nyina me ala ka no ya nyina tan no ya la chugo mina ka sanore ta yira na ka no ya ala ko ke ala ka de un ve balo ku kishi ku kada gabo jamana ni fitna na baloma bijahil mustafa alayhi salatu wassalam.